Bonsoir Hélène, semaine, je sais plus, 45, 44 ou 45, il faudrait que quand je maîtrise la vidéo, je marque. La semaine dernière, je n'ai pas fait puisque, comme vous avez dû entendre, j'ai perdu ma grand-mère. Irène Paris Némorel, 97 ans. Voilà. Donc, j'avais pas forcément le cœur, j'étais pas le cœur à faire une vidéo et surtout le temps. J'étais chez mes parents tout le week-end. Bon, voilà, donc vous savez que c'est compliqué d'être chez mes parents. C'est compliqué d'être chez mes parents. C'est compliqué d'en faire surtout, des vidéos. À part les vidéos all action. Et là, j'ai fait, bon, vous avez vu que j'ai fait en rentrant à la maison dimanche soir. Donc voilà, ben, semaine classique, hein, très calme au niveau du boulot. J'ai repris le rythme téléprospection mercredi, jeudi, vendredi. Quoi dire, rien. Non, que tout va relativement bien. Ben, j'ai travaillé tous les jours, je suis allée au boulot tous les jours, j'ai fait un peu de ménage. Toute la semaine, je n'ai pas fait le classement. Voilà. Non, enfin voilà, non, c'est. Ouais, voilà. Non, que dire? Donc demain, non, je ne fais pas de prosélytisme. Demain, je fais une vidéo backup. Backup, parce que là, ça sera juste, il dit 8h moins 5 et il fait pas très beau. Il fait très lourd, mais il ne fait pas très beau. Tout simplement. Eh bien, oui, le fait de ne pas faire beaucoup de vidéos, c'est symptomatique que je vais bien. Parce que vous savez, on tient toujours des journaux intimes quand on ne va pas bien, mais alors quand on est bien, on s'en tape le fion. Non pas que je vous aime pas, mais bon, voilà. Donc, lundi, je ne sais pas si mon patron. Hop là, pas très bien. Je ne sais pas si mon patron revient, mais en tout cas, lundi, normalement, nous reprenons le cours normal des choses. Hein. Voilà, en tout cas, s'il ne revient pas, mais il reviendra sûr pour le 1er septembre. J'ai travaillé donc à ADN, acheté du neuf là où j'étais prospectrice vendredi après-midi, puisque vendredi soir je suis sortie. Qu'est-ce que je voulais dire? Que sentimentalement, c'est toujours la merde. Mais bon, je crois que j'en prends mon. Comment on dit, j'en prends mon. J'en prends mon. Ah mon Dieu, j'ai oublié le mot. Enfin, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, j'ai décidé que ma vie sentimentale serait de la merde. Ben, ça ne change pas. Mais bon, je vais mieux dans la tête, mais ça ne change pas. Donc. Mais non, que je fréquentais quelqu'un, mais je fréquente plus, mais comme d'habitude, hein, de toute façon. Hein, le jour où je serai amoureuse et tant que voilà, j'ai pas consommé, je suis amoureuse. Enfin, je suis amoureuse, j'aime la personne. Et quand j'ai consommé, je m'en tape le fion. Surtout que la personne que je eus fréquentée s'en fout de moi aussi. Hein, faut être clair aussi. Hein, faut pas se voiler la face. Et de toute façon, cette histoire n'aurait pas duré de toute façon très longtemps. Donc voilà, je ne dis pas de nom, mais de toute façon, il s'en fout, il ne va pas avoir le temps de regarder les vidéos. Mais bon, je reste quand même discrète. Voilà, il va tenir un restaurant, il n'aura pas le temps, il aura son fils une semaine sur deux, moitié des vacances scolaires. Donc le peu de temps qu'il aura, et c'est normal, il consacrera à son enfant qui est un petit garçon, tout petit garçon de 18 mois, donc il a besoin de beaucoup d'attention. Donc il a pas, et très possessif, moi j'ai passé la journée avec eux. Bref, moi ça, je suis pas, ça peut choquer, mais quand j'ai pas ma fille, moi les enfants des autres me gonflent. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas que j'aime pas ces enfants-là en soi, mais
Quand j'ai ma fille, ben, je suis concentrée sur ma fille, ce qu'elle fait, voilà, elle s'amuse, elle machin, elle truc. Mais quand j'ai pas ma fille, qui t'en a aussi et qui n'a rien à taper de sa mère, eh ben, j'ai envie de parler à mes copines, j'ai envie de ne pas être emmerdée toutes les 30 secondes, maman, 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 maman. Voilà, ta mère, tu l'as, il n'y a pas de souci, je vais te la rendre, mais tu me permets de parler avec elle de choses d'adultes qui ne te concernent pas. Voilà, c'est tout. Après, ça, je sais pas que je n'aime pas les enfants des autres. Enfin, je n'ai pas les aimer non plus. Je suis pas en extase devant. Déjà, je suis en extase. Enfin, c'est pas que je suis pas en extase devant ma fille. Ma fille, c'est ma fille. Ma fille, elle dit un truc, c'est. Oh, je suis émerveillée. Mais voilà, je suis pas en extase. Voilà. Enfin, si, je suis en extase devant ma fille. Non, je mens. Je suis en extase devant ma fille. Le peu que je la vois, le peu que je l'ai, je suis en extase devant elle. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est tout ça pour dire que j'ai pas, voilà, moi, ça m'a légèrement gonflé, je pouvais pas dire un mot, bien sûr, machin. 2 minutes sur 5 heures, il a été quand même 2 minutes. Bon, il a 18 mois, j'ai plus de souvenirs de comment était Elena à 18 mois, je pense qu'elle devait être aussi pète couille, mais bon, les circonstances n'étaient pas les mêmes. Voilà, voilà, ça, mais ça reste son enfant et je suis pas là pour dire que, je suis pas là pour lui dire comment élever son enfant. Et de toute façon, comme c'est terminé, voilà. Bah, moi, j'en ai marre de courir après des gens qui, oui, bah, ils ont qu'à dire, voilà, on a le droit de se tromper, on a le droit de dire, mais bah, en fin de compte, je pensais que, mais en fin de compte, j'ai pas le temps, je dois monter ma boîte, je dois la lancer. À un moment, je verrai bien dans quelques mois, dans quelques années, si j'ai le temps d'être avec quelqu'un. Voilà, peu marre, c'est humain. Mais après, on est humain, ils viennent se séparer et voilà, j'aurais dû me méfier. Trop, trop près de la séparation. Moi, les gens qui sont séparés depuis peu me font peur parce que moi, j'ai pas envie. Je suis fatiguée de payer les pots cassés pour les autres. Oui, je suis pas parfaite, non, machin, mais ma nex. Oui, je comprends ce que les autres ont pu subir hein, parce que moi, moi, je suis sortie. Hein, j'ai mis 4 ans à le faire, mais je suis sortie du truc. Hein, enfin, moi, je suis pas allée voir mon courrier. J'irai voir lundi matin avant de partir au boulot. Parce que moi, le samedi, j'évite hein, d'aller voir le courrier. Donc voilà, quelque part, les gens qui sont en séparation, en plus, ça a l'air compliqué, encore, voilà. Bon, après, quelle séparation n'est pas compliquée? À partir du moment où il y a des enfants, c'est compliqué, c'est normal, c'est un être humain, c'est. Voilà, c'est. En soi, je ne remets pas en cause le fait qu'il ait des enfants, et loin de là, mais et heureusement, parce que ça aurait été un autre problème aussi. Voilà, donc quelque part, voilà, c'est une histoire qui était vouée à l'échec. Si, je pense que s'il n'avait pas eu à monter son restaurant, je pense que voilà. En tout cas, je sais pas où je continue à chercher, je continue à survoler. Voilà, excusez-moi du terme, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, et du cul, du cul. Voilà, il faut être honnête, je recherche ça pour l'instant. Si ça choque certaines personnes, elles arrêtent la vidéo, elles vont pas plus loin. Si ça choque pas, de toute façon, je vais pas en parler plus. Mais en tout cas, je pense que c'est voilà, c'est l'été et dans quelques semaines, on hiberne. Voilà, et on va commencer à avoir froid, se mettre sous les doudounes. Et, moi, je n'aurais pas forcément envie de sortir. Voilà, bah, paradoxalement, je sors plus en semaine que le week-end, puisque le week-end, je suis sur Urugne. Et que je ne suis pas forcément allée faire 40 allers-retours, sauf, bon, exception, concert d'un collègue, que vous avez vu quelques images sur ma chaîne. Regarde, non, je déconne, je sais pas faire, regardez le truc là. Voilà, donc voilà, je m'amuse, peut-être je vais continuer à m'amuser, je sais pas. Et si je continue pas à m'amuser, j'ai pas envie de le rencontrer. En fait, non, j'ai pas envie de le rencontrer. Je crois qu'il n'existe pas, faut se mettre dans l'idée qu'il n'existe pas. Donc, tant pis pour moi, tant pis pour moi, c'est pas grave. Voilà, je fais un nouveau compte à rebours sur Facebook. Voilà, c'est les 500. Je fais 508 jours. Ça fait depuis du 23 juin 2017 au 12 novembre 2018. Ça fera 508 jours, comme les 508 jours de procédure que j'ai eu. Oui, voilà, tant que ces 508 jours sont pas passés, je pense que je suis pas encore prête à. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre. Ce que j'ai pas vécu en 4 ans, j'ai envie de le vivre maintenant. Et voilà, bon, après, c'est vrai que si je fais 4 ans de plus, ça fera 48 ans. Bon, la date de déperdition sera passée, je serai moche. Bon, déjà, à la base,
c'est pas top top. Mais voilà, donc ouais, je suis pas très, je suis pas très bonne, pas de bonne humeur, mais en tout cas je m'aperçois qu'il n'existe pas. Et faut dire qu'il, enfin, il n'existe pas. Donc je vois pas pourquoi je m'emmerderais à le chercher. Je m'amuse. Voilà. Donc le tatouage j'ai toujours pas fait. Vous voyez? Alors j'ai changé encore d'avis. Donc je vais faire une phrase, Blessed be the fruit, de la phrase de The Handmaid's Tale. Quand elle se voit dans la rue, elle dit pas bonjour, elle dit Blessed be the fruit, may the Lord open. Ça veut dire que le Seigneur ouvre. Je peux pas forcément le faire en français. Quoique je sais pas si j'ai fait en français ou en anglais. Béni soit le fruit. Alors, béni soit le fruit sur ce bras-là. May the Lord open, que le Seigneur ouvre sur celle-là. Et derrière, au niveau en dessous de la nuque, au niveau des lombaires, ainsi soit-il, presby. Je sais pas, j'hésite encore, je ne peux pas faire anglais. Soit c'est tout en anglais, soit c'est tout en français. Mais je n'ai pas expliqué. Voilà. Ouais, je le fais un peu pour qu'on me parle, j'avoue, franchement. Mais bon, après, le tatouage, je le veux. Donc. Voilà, c'était un peu comme le cadenas en forme de cœur. Parce que je voulais faire un cadenas en forme de cœur avec Elena dedans et une clé dans le cadenas pour bien montrer aux hommes, s'ils voient mon bras, que la clé de mon cœur, elle est à moi, elle n'est pas aux autres. Voilà. Alors, un instant. Voilà. Donc, la joie et la bonne humeur sont de mise ce soir. Je sais pas, j'ai un petit coup de mou. Je suis un peu fatiguée, je me suis fait encore avoir cet après-midi, mais bon, c'est pas grave, je le savais d'office, mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Sinon, on est donc samedi soir, les derniers épisodes de NCIS Nouvelle-Orléans, voilà, samedi soir quoi. Après, oui, je viens d'éteindre la télé parce qu'il y avait Cousuma. Vous savez, ma passion de la couture, non, vous ne la savez pas, je vous le dis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, donc ça me fait plaisir de voir un peu de couture, ça me donne envie de reprendre. Comme l'hiver arrive, je vais reprendre la couture, je vais hiberner. Donc voilà, j'ai envie de faire deux, trois trucs de couture par moi-même. Voilà, hein, il faut bien que je m'occupe hein, de mes soirées célibataires, hein, parce que c'est pas tirer des pimpons chercher Wawa tous les soirs. Pardon, je me suis couchée à 1 h du matin hier. Voilà. Bon, tout ça pour dire que 13 minutes pour vous dire que ma vie va recommencer normalement. Vous aurez les vidéos tous les vendredis jusqu'au 14 octobre. C'est un samedi. Je ferai la vidéo le samedi pour vous dire que un an se sont passés. Un bilan pour l'instant plus que mitigé. Hein, donc avec octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 9 mois. 9 mois. Donc ça ne va pas forcément changer. Voilà, mais après ça va, j'ai du boulot, des choses avec la petite. Sarah. Et je voulais dire je sais plus son pseudo tellement que j'ai fait d'office ses commentaires, que je l'emmerde et je sais très bien qui c'est. Des réflexions à la maman sur ma dentition. Hein, je m'en branle le coquillard de ce petit con de merde. Continue comme ça et je vais porter plainte à la police pour harcèlement. D'accord? On est d'accord? Alors, j'efface pour. Voilà, mais je suis pas plus une légitime qu'une autre youtubeuse, mais des insultes, c'est pas par rapport à mes vidéos, monsieur Jonathan Zuraski, je te fais de la pub en plus, je dis ton nom, ou Pouillou, je sais pas trop quoi, parce que monsieur n'aime pas le nom de son père, mon Dieu, voilà, donc, enfin bon, je m'en fous comment il s'appelle, en tout cas, je t'emmerde. Qu'il y ait des gens qui n'aiment pas les vidéos, il n'y a pas de problème. Que tu laisses des commentaires à 2 balles, je t'emmerde. Crache ta haine, mais je sais pas, prends un cahier, un stylo, crache ta haine, quoi. Mais pas sur mes vidéos qui.
ne te concerne, enfin, qui ne te concerne pas, si tu l'as, enfin, c'est pas que, je veux dire, YouTube, c'est pour tout le monde, c'est pas ça que je veux te dire. Mais si ça te gêne, tu sais quoi? T'arrêtes la vidéo et tu passes sur une autre vidéo et une autre personne a harcelé. D'accord? Alors, sur ce, je vous dis de gros, je fais de gros bisous. Je crois que c'est la semaine 45, puisque la semaine 44 est passée, je ne fais pas de report. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Ça y est, on y arrive. Et je vous dis à demain pour le backup du mois d'août, où il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés.